bonjour à tous et merci d'être venu assister à la conférence de Mannen, un modéliste professionnel venu du Japon pour partager avec vous ses astuces pour maximiser le potentiel de vos maquettes. Alors, les démonstrations que vont faire Mannen ici sont valables, bien sûr, comme on l'a vu sur ses vidéos, pour les maquettes Gundam, voilà, mais valent aussi pour toutes sortes de maquettes, puisque ce sont les mêmes astuces. Voilà. Pour commencer, on va peut-être présenter Monsieur Mannen. Donc voilà, on va l'écouter. Alors, Mannen, vous avez vu ses œuvres à l'écran. Il a commencé les maquettes il y a 4 ans seulement. Voilà. Il faisait vraiment pas du tout de maquettes avant, il y a 4 ans. Et donc, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il en fait, il réalise des maquettes et des décors sur commande. Voilà, c'est-à-dire que il réalise sur demande des décors et des choses comme on a pu les voir là, et il les vend sur des sites d'enchères. Donc Yahoo Japan Auction pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai fait des choses. Environ 20 euros, 4000 euros. Voilà, donc ce qui fait, en gros, on part de maquette à 20 euros et ça peut se revendre jusqu'à 4000 euros sur ces sites d'enchères. Voilà pour tout le travail qui est effectué. なかなかちょっとこういうものって難しいイメージなんですけど、まあ、僕は4年で作れるようになったんで、簡単な作り方、皆さんでも今日覚えて帰ってもらえるような簡単なことをちょっと教えしたいと思います。 Alors, quand on voit ce qu'il fait là, quand on voit ses prix, on peut se dire que c'est super difficile ce qu'il fait. Alors, en fait, il dit pas tellement. C'est assez simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et il est venu aujourd'hui vraiment pour partager ça avec vous, voilà, pour vous donner ces tuyaux. Alors oui, une question. Oui. Alors, la question était, si j'ai bien compris, est-ce que les travaux de M. Mannen peuvent servir de base à des adaptations ou des représentations animées? La réponse est non. Enfin, ça se passe totalement dans le sens contraire. C'est-à-dire que M. Mannen prend des maquettes adaptées d'animés existants, évidemment, et les remodèle à sa sauce. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Et qu'il trouve un acquéreur à qui ça plaît, voilà, à qui cette interprétation du design plaît. Voilà. Bien, alors M. Mannen va commencer. Donc on a eu une question là. M. Mannen tient à ce que, à la moindre question, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, dès que vous ne comprenez pas un truc, pour qu'on voilà, on avance tous ensemble et que vous ne restiez pas sur une frustration d'un truc que vous ne comprenez pas. Voilà, au passage, je précise aussi que M. Mannen va montrer pas mal de choses faites à l'aérographe, qui est un outil que tout le monde n'a pas forcément. Ce qu'il fait, on peut aussi tenter de le reproduire légèrement différemment au pinceau à travers divers effets qu'il va vous montrer. Donc voilà.
まずこのギラ動画っていうプラモデルなんですけど、右がノーマル、左が改造後。Donc on va, il va commencer à vous montrer ce modèle qui est le Master Grade Giradoga de chez Bandai. Vous voyez, alors c'est à l'envers, à droite le tel que c'est une fois que c'est monté en sortie de boîte, voilà, et à gauche une fois qu'il l'a modifié. Il va vous expliquer les modifications qu'il a faites pour avoir ce résultat beaucoup plus réaliste et plus, qui a plus de cachet. Et... 普通のプラス右側はプラスチックに見えると思うんですけど、左側は鉄っぽくなるように、塗装しています。Donc son objectif c'était d'avoir vraiment un rendu métallique réaliste, on dirait de l'acier. Parce que quand on regarde à le modèle original, ça fait vraiment plastoc. 今日はこれの簡単なやり方をちょっと説明したいと思います。Voilà. Donc il va vous montrer tout simplement comment il fait, c'est facile.Alors, est-ce qu'on peut, en régie, switcher sur la caméra, s'il vous plaît? Hop, voilà, on est là. Voilà. Alors, donc, ce sont le, c'est exactement le même modèle que la photo qu'on a vue tout à l'heure, le Master Grade Giradoga. Vous pouvez voir, le, la jambe claire, c'est telle que c'est en sortie de boîte. Voilà, c'est tout juste monté.De l'autre côté, la jambe noire, donc M. Manen, avant de venir, l'a sous-couché. Il a tout simplement passé à la bombe, qu'on peut voir ici, voilà, une bombe de couleur noire. Voilà. Ici, c'est du brillant, il aurait préféré avoir du mat, parce que ça accroche mieux, mais c'est du détail. Voilà, donc première étape, sous-couché en noir, à la bombe, c'est très simple, ça prend 3 secondes.Alors, il commence par prendre un pinceau brosse, un peu usé. Et il va faire ce qu'on appelle un brossage à sec. Voilà, certains connaissent, j'imagine, dans l'assistance, mais on va le réexpliquer pour tous. Voilà. Donc, ce qu'il va faire là, c'est sur la première couche de peinture qu'il a passée, qui sert de fond, il va ajouter du relief avec une autre couleur.Un élément technique important, c'est que les deux types de peinture appliquées ne soient pas les mêmes, parce que sinon ils vont se bouffer l'un l'autre. Donc en sous-couche, il a passé de la peinture acrylique, en bombe, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, et par-dessus, il va utiliser ce qu'on appelle la peinture émail, c'est les petits pots en métal avec un capuchon qu'il faut déclipser, voilà, que les modélistes ferroviaires ou militaires connaissent bien.Alors il prend un peu de peinture sur son pinceau pour commencer. Et ensuite il l'essuie avec un mouchoir. L'objectif c'est qu'il reste une toute petite quantité de peinture sur le pinceau parce que ce qu'il veut c'est pas repeindre la pièce. Vous voyez qu'il utilise de l'argenté là, il veut pas repeindre la jambe en argenté, c'est pas l'objectif.Donc il faut essuyer, frotter jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un filet de couleur. Voilà. Donc c'est une technique qu'on peut trouver sur le net en photo ou en vidéo, mais là vous le voyez carrément en direct.Donc voilà, là, on a assez essuyé. En fait, quand il frotte le pinceau sur son doigt, il y a un tout petit peu d'argenté sur les reliefs des empreintes digitales, mais un tout petit peu. Voilà, faut pas que ça tache, faut pas que ça colore complètement. C'est très léger. Alors, avant, une fois que vous avez fait cette étape,tester sur un endroit pas très visible parce qu'il peut toujours rester trop de peinture et ce serait dommage d'arriver en plein sur le pif de la maquette ou un endroit très visible de laisser une grosse trace de peinture. Donc un endroit caché. Voilà, là il essaye dans un endroit un petit peu visible. Ça a l'air bon donc il commence à étendre. Voilà,
Vous voyez le geste, c'est assez, on va pas dire aléatoire, mais voilà, il n'y a pas de précision outre mesure, il badigeonne en quelque sorte. Et en fait, le but du brossage à sec comme ça, c'est que le pinceau, il va laisser de la couleur, de l'effet, que sur les arêtes des pièces, les endroits où il y a des détails, des reliefs. Et il faut aussi en passer un petit peu aux articulations, puisque c'est les endroits où un vrai robot, il s'userait. Voilà. Voilà, donc justement, l'intérêt d'utiliser un contraste, comme il a fait une sous-couche noire, et là il utilise une couleur argentée, ça peut marcher avec du blanc ou des couleurs claires, voilà, ça fait un contraste fort et ça permet de souligner les reliefs. Et donc, si le résultat ne vous plaît pas, ou s'il y a un ratage, ça arrive, ce que M. Manen vous disait tout à l'heure, à savoir qu'il faut utiliser deux types de peintures différents. La couche du dessous, c'est de l'acrylique. Ce qu'il utilise pour le brossage à sec, c'est une peinture émail. C'est deux peintures qui ne se mélangent pas. Et donc, si vous ratez sur un truc, vous pouvez prendre du diluant émail, en l'occurrence, tout effacer, et ça ne touchera pas la couche qui est en dessous. Voilà. De manière générale, c'est toujours important, si vous peignez vos maquettes, d'avoir en gros de l'acrylique pour faire les vraies couleurs. Et pour les détails, ce que vous allez rajouter par-dessus, que ce soit de la peinture émail, donc les petits pots en métal, parce que comment dire, ça ne va pas agresser la peinture en dessous. Et si vous vous ratez, vous pouvez l'essuyer assez facilement. Vraiment, vous trempez un mouchoir dans le diluant et vous essuyez, ça part tout seul. Voilà, donc il précise que là, la couche de couleur noire qu'il a passée, c'était du noir brillant, parce que c'est un peu tout ce qu'il avait sous la main. Lui, il recommande du noir mat. Ça permet de mieux accrocher la couleur qu'on passe par-dessus. Donc si vous avez le choix, essayez de trouver une couleur mat pour faire le dessous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez des précisions, voilà, on est là. Alors, une question. J'arrive. Donc, première question, juste. Monsieur demandait, est-ce qu'on peut passer de l'émail sur du plastique nu? C'était un peu l'idée. Enfin, sans avoir la sous-couche. Alors, donc, pour répondre à... J'ai dit la question qu'il a posée, je ne sais plus. Alors, pour répondre à la question, en fait,
on pourrait faire le brossage à sec qu'il fait là sur le plastique nu, sans passer la sous-couche en dessous. Après, il ne recommande pas parce que lui, il a mis du noir en dessous, il passe de l'argenté par-dessus, ça fait un contraste. C'est vraiment beaucoup plus fort. Donc, on peut le faire sur du plastique nu, gris par exemple, mais ce sera moins joli. Voilà. Et la deuxième question qu'il y avait, c'était est-ce qu'on peut faire un effet de rouille, par exemple, sur du plastique blanc, un peu sur ce modèle-là. Lui, il dit, la rouille, c'est très spécifique. C'est pas un effet qui se fait au brossage à sec. Le brossage à sec, c'est vraiment pour souligner des traces d'éraillure, quoi, quand ça râpe, ça frôle. Lui, pour la rouille, c'est les traces de rouille, c'est quelque chose qui coule avec de l'eau. Voilà, c'est des endroits rouillés qui, avec la pluie, avec l'eau qui coule, ça fait des coulures. Donc c'est un effet qui n'est pas du tout le brossage à sec. Mais globalement, pour le brossage à sec, toujours avoir une couleur contraste qui va faire contraste en dessous. Sinon, c'est moins pertinent. Alors la question, est-ce qu'il utilise d'autres couleurs pour le brossage à sec ? Alors, il reste dans les couleurs métalliques, vraiment pour le brossage à sec, il utilise soit de l'argenté sur des pièces métalliques comme ça, soit en fonction de l'effet qu'il veut donner, du doré. Alors, est-ce qu'en régie, on peut repasser sur le PC ? Donc là, on voit le résultat du brossage à sec. Ça a pas mal changé. Alors, ça se voit pas super à l'écran, mais sur la pièce de l'épaule, je sais pas si vous voyez, au-dessus du propulseur, là, argenté, la pièce de l'épaule, il a fait un brossage à sec avec du doré. Voilà. Alors, c'est très subtil, mais on devine, c'est un peu pailleté. Je sais pas si vous voyez, il y a des reflets un peu pailletés, dorés, voilà, parce qu'il a pas utilisé de l'argenté, mais du doré pour faire ce brossage. Et vous voyez que du coup, ça, c'est la même couleur en dessous, mais ça éclaircit un peu par rapport au reste. Le reste fait vraiment métal sombre avec des reliefs blanchâtres argentés. Et le brossage doré a donné une chaleur un peu à la couleur métallique. Donc voilà, c'était vraiment dans l'idée de ne pas avoir un rendu uniforme avec la même couleur partout, mais comme ces maquettes-là sont très détaillées, ont plein de petites pièces, l'idée c'est de traiter des pièces de manière différente pour avoir des jeux de couleurs et de contrastes, pour un peu rendre ça plus sympa en fait. Donc vraiment, il insiste là-dessus. Plutôt que d'avoir un rendu uniforme, autant profiter du fait que les pièces soient séparées, etc., pour enrichir le résultat et avoir une diversité, ce qui peut faire comme si c'était une diversité de matériaux, vous voyez. Si le robot en vrai était construit avec différents métaux, donc il y a un rendu différent. Alors, dans le creux du coude, voilà, là où il a son curseur, ça il l'a peint au pinceau. Voilà, il arrive à faire de l'argenté au pinceau. Et les tuyaux qu'on voit en dessous, qui sont très très chromés, très très pimpants, ça il l'a fait avec un truc qu'on a un peu de mal à trouver en France, c'est de la bande adhésive métallique, enfin métallisée. En fait, c'est un sticker métallisé, mais très très fin. Et du coup, sur des surfaces homogènes, on peut les coller et ça fait comme si c'était en métal. Voilà. C'est chaud à trouver en France. Voilà. Alors, les petites plaques dorées là, sur la jambe, ça, il l'a pas fait au pinceau, il l'a fait à l'aérographe, voilà, pour avoir un rendu uniforme. Et
pour pas dépasser en fait à côté, il a fait ce qu'on appelle du masquage. C'est-à-dire, en gros, il a fait un pochoir. Tout simplement, comment ça marche? Il a une espèce de scotch facile à découper qu'il a collé sur la jambe. Et puis avec un cutter très précis, un couteau de modélisme, il a découpé la forme des plaques. Il a enlevé le petit bout de scotch et voilà, ça fait un pochoir. Il a qu'à peindre par-dessus sans faire attention. Il enlève et ça fait voilà, ça fait un détail comme ça. バンダイの、プラモデルになります。これは、バンダイのガンダムのプラモデルなんですけども、これが、外の部分ですね。で、バンダイのプラモデルマスターグレードは、中の部分も楽しむことができます。これが中の機械部分。Voilà, donc ça c'est l'intérieur, c'est les mécanismes de de la maquette telle qu'elle est en vrai. Voilà, et ça c'est ce qu'il en a fait. これ、この2つは同じものです。右が無改造で、左が改造したものです。Voilà, donc c'est vraiment c'est la même chose au départ, c'est la même maquette. Sauf que d'un côté, vous avez la version normale quand vous l'avez faite en boîte, alors ça pixelise un peu, désolé. Et de l'autre côté, vous avez la version travaillée. Voilà, avec les. Sur la plupart du squelette, c'est juste la technique que vous avez vue quoi, avec le pinceau badigeonné. Voilà, ça fait ça. Naka ni mo kodawaru koto niyotte, sara ni tanoshimi ga fueru to omoimasu. Nakami, naibu, naibu kozo mo tanoshimu koto niyotte, sara ni tanoshimu koto ga dekiru to omoimasu. Donc en fait, pour lui, c'est, ça ajoute du fun au fait de faire la maquette, de la peindre, que de travailler un squelette interne. Voilà. Une question. Alors, quelle est la couche de base qu'il a utilisée sur ce squelette ? Okay, c'est du noir mat. Donc c'est la même chose que ça, mais en, bah, en pas brillant, en mat, tout simplement. Voilà. Donc en fait, bah, il est allé acheter de la peinture hier à Paris et ils n'avaient plus de noir mat. Donc il a dû se rabattre sur du brillant. Mais vraiment, vraiment, il faut utiliser du mat quand on fait ce type de brossage à sec. C'est plus simple, c'est mieux. ドライブラシというのは、下地の色との差で、エッジを際立たせます。ですので、下地の色と、ドライブラシのカラー、使うカラーっていうのは差があった方がいいので、シルバーから一番遠い黒を僕はベースに使います。Donc en fait, l'intérêt du brossage à sec, c'est de créer un contraste. C'est comme ça que ça fait un effet qui fonctionne. Donc utiliser une couleur métallique en sous-couche, puis par-dessus faire du détaillage avec une couleur métallique là, ça marche pas vraiment. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
シルバーのカラーの上に、シルバーのメタ、ドライブラシをしても、ほとんど見えないと思います。Bah, c'est ce qu'il dit, on verrait rien en fait. Argent sur argent, c'est tout bête. もっと明るい、機械の色に持っていきたいとすれば、ドライブラシの工程をもっと、繰り返し繰り返しすると、シルバーに近いカラーに持っていくことができます。En fait, faudrait faire du brossage à l'infini pour qu'il commence à y avoir une trace de quelque chose, donc vraiment éviter.で、もう一つ僕のこだわりとしてはガンダムのモビルスーツというのは、18メートル、グフでいうと18メートルの大きさがあります。Donc il faut savoir que là on a, en fait, dans les robots dans Gundam, les mobile suits sont censés faire environ 18 mètres. C'est un élément d'échelle important à retenir, il va vous expliquer.でもプラモデルですと、18メートルにはとても見えません。ですので僕がそういう時に大きく見せるために使う手法として、こういった鉄道模型のフィギュアであるとかこういう小さなトラックであるとかを、同時に飾ることによって、大きく見せています。Donc ces robots ils sont censés faire 18 mètres, mais quand on voit les maquettes, c'est pas forcément évident.Donc ce qu'il fait pour créer un élément de comparaison de référentiel, c'est qu'il aime mettre à côté de ses maquettes des, soit des petites figurines comme on peut voir là, qui viennent de modélisme ferroviaire le plus souvent, donc des maquettes de train, soit peu, qui partagent des échelles communes avec les maquettes Gundam. Voilà, donc il met des personnages et des véhicules à l'échelle à côté pour qu'on ait vraiment cette impression de gigantisme. C'est une astuce de disposition, c'est autre chose.こういったジオラマにしても、建物との対比によって大きさをよりアピールすることができます。Donc ça marche encore mieux quand vous avez un immeuble à côté. Voilà, vraiment l'impression de gigantisme elle est forte, et ça donne un rendu vachement péchu. こういう噴水であるとか、ヤシの木であるとか、そういうものと一緒になることによって、このモビルスーツ自体の大きさを表現しています。Voilà, donc vraiment toujours dans, on a dit les personnages, on a dit les véhicules, les immeubles. Voilà, là vous avez un arbre, une fontaine. Vraiment tout l'intérêt du décor là, c'est de souligner la taille réelle des mobile suits, qui est un truc qu'on ne voit pas forcément quand on voit les maquettes.Alors maintenant, on a vu un effet assez simple. Vous pouvez vraiment faire à la maison très facilement le brossage à sec. Là, c'était quelques astuces de disposition. Maintenant, il va vous montrer comment faire des décors. Je crois que c'est ce qu'attendaient pas mal de gens. このジオラマの岩山、後ろの岩山の作り方を簡単にご説明します。Alors vous voyez ce diorama de falaise, qui est assez balèze quand même. Eh bien, il va vous expliquer que c'est super facile à faire. Il va vous dire comment.多分皆様でもできるぐらい簡単だと思います。誰でもできるような簡単なやり方です。Tout le monde peut le faire. まずベースはスタイルフォーム。Alors, le matériau de base, c'est du polystyrène. Alors, c'est pas n'importe quel polystyrène. C'est du polystyrène extrudé. On vous explique rapidement la différence. Vous avez sûrement eu dans des emballages du polystyrène où quand vous le cassez, ça fait des petites billes partout qui s'accrochent à n'importe quoi.Ça, il ne faut pas utiliser, c'est mauvais. Il faut utiliser du polystyrène de construction. C'est un polystyrène dur où quand on le coupe, ça fait des coupes nettes. Voilà. Iwa の質感として、インテリアバーク、園芸用品ですね。こういったものを使います。Et donc, voilà, la base, c'était le polystyrène. Et là, pour simuler la pierre, exprimer la pierre, alors, ils utilisent, je ne sais pas comment on appelle ça en français.Ce sont ces sortes de galets d'écorce qu'on trouve dans les petits jardins pour décorer voilà, les plantes. Bon, il paraît que ça se trouve facilement au Japon. Je pense que dans des magasins type Jardiland en France, ça se trouve. Voilà. Si quelqu'un connaît le nom, merci de me le dire. Je sais pas. Totemo yasui mono de tsukai yasui to omoimasu. Donc c'est pas cher. C'est pas cher du tout.
この2つを組み合わせてまずこういった大雑把な岩山を作ります。スタイルフォームは L 字に組んで、指でちぎってちぎった破片は貼っていきます。Alors pour commencer, verticalement, il a disposé des plaques de polystyrène, il les a plantées verticalement, et à la main, il a enlevé des bouts. Il a creusé, il a gratté à la main des petits bouts, un peu partout, par-ci, par-là. Et ensuite, il les a recollés, mais à des endroits différents. Un peu à l'arrache, hein, un peu aléatoirement. Donc sur les panneaux de polystyrène, il a collé ces galets là, ça c'est facile. À la main, il a arraché des bouts et les a recollés un peu partout ailleurs. Kézutte, kitte, katachi o tsukuru to, risotto pool no iwayama, tsukurimono no iwayama mitai na fushizen na kanji ni narimasu kara. Donc c'est vraiment important de le faire à la main plutôt qu'avec un outil en coupant, parce que si on coupait avec une lame et machin, ça ferait des coupes trop droites, ce serait pas naturel. Vraiment, comme c'est des falaises immenses, parce que les mobile shoots sont immenses, faut que ça ait l'air naturel, faut que ça ait l'air un peu aléatoire, donc c'est important de le faire à la main. De これに、ダークグレーカラーで塗っていきます。Voilà, donc l'étape suivante c'est la mise en couleur. Donc, vous avez vu l'image avec le polystyrène qui a été gratté et refixé. Maintenant, il va prendre du plâtre et de la peinture acrylique gris foncé. Alors, là, c'est un tube de gouache, mais c'est pas ça. Voilà, vraiment de la peinture, n'importe quelle peinture acrylique, hein, ça marcherait, vraiment. この最初につけるカラーっていうのは、岩山の、影の部分の色を全体に塗る形になりますので、かなり暗い、黒に近い、グレーになります。Alors pourquoi il prend un gris foncé? Parce qu'en fait, c'est la couleur qui va passer sur tout son décor en premier. Et l'idée, c'est qu'au fil de la peinture qui va passer, cette couleur foncée, elle va rester, elle va créer des ombres. Elle va transparaître dans le creux des reliefs. Donc c'est important pour avoir quelque chose de réaliste, une vraie falaise, de poser comme base une couleur foncée. Voilà. Un gris foncé, c'est plus naturel qu'un noir noir. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait là. これが、塗った形なんですけども、ここまでは多分小学生でもできるぐらい簡単なことです。すでに岩っぽくなってると思います。Donc là vraiment il a simplement badigeonné son décor de peinture grise. Ça même un enfant il peut le faire. C'est ce qu'il dit. Et déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Alors tout simplement, il utilise de la colle à bois. Voilà, comment il a recollé ses galets et ses machins sur le polystyrène? De la colle à bois, explication rapide, toute autre colle trop agressive et chimique aurait tendance à bouffer le polystyrène. En gros, il fondrait. La colle à bois, c'est pas cher, c'est facile à utiliser, ça devient invisible quand ça sèche, donc voilà. Tout simplement de la colle à bois, là, les gros tubes blancs, ça fonctionne. このグレーカラーの下地は、厚塗りしてください。薄いと完成した後に、崩れてきて下地が見えてしまいますので、石膏は厚く塗ってください。 Donc voilà, et quand vous passez cette sous-couche là, allez-y, vraiment, vous retenez pas, parce que si il reste un bout, si on voit un bout de polystyrène pas peint en dessous, ça va foutre en l'air un peu votre diorama. これに、グレーカラーで、塗っていきます。暗い色のダークグレーのところ、くぼみの部分は残して、太陽が当たる部分には明るいカラーのグレーを塗っていきます。Donc là, alors on va parler en premier du, il a sur le gris foncé qui faisait tout le décor, il a passé par-dessus un gris plus clair. Or sur les, théoriquement, c'est les endroits où la lumière va se poser, donc c'est plus clair. Dans les faits, il a juste passé sans trop insister. Alors, lui à l'aérographe, ça peut se tenter au pinceau.
Il a passé sans trop insister sa couleur plus claire. Il n'est pas allé dans le fond des creux. L'intention, c'est pas de tout couvrir. Et du coup, naturellement, un peu tout seul, vous avez un contraste qui se crée. これが暗い状態のとこですね。で、細かい下の方にある石っていうのは、その辺で拾った石でもいいですし、鉄道模型のお店に行くとバラストとして売っているようなものを使っています。 Et donc pour faire les petits cailloux, les petites roches là en bas pour cacher la jonction, vraiment on peut utiliser un peu ce que vous trouvez et notamment alors le top c'est des sacs de petits rochers qui existent pour le modélisme ferroviaire encore une fois pour les maquettes de train. Voilà, vous avez des sachets tout près avec des faux cailloux tout petits qui existent et c'est assez pratique à utiliser. 細かい石や砂を巻いていって それを固めるために、ボンドと水を混ぜたものをスポイトで垂らして固めますと。 Donc pour faire adhérer ce sable et ces petits cailloux, il a utilisé un mélange de colle à bois et d'eau. 90% d'eau et 10% de colle à bois, on l'a expliqué hier. Il fait un tas de sable et de cailloux, il passe dessus en spray ou il fait tomber au goutte à goutte ce mélange de colle à bois très dilué. Et en fait, ça va fixer le truc et devenir invisible. Voilà, et au final, ça vous crée un tas de sable réaliste. Et ça, sand color de tosso します. De, この時も一色で塗ってしまうと不自然になりますので、濃い色をまず塗ってから薄い色で太陽の日の光が当たる方向を意識して塗っていきます。Donc voilà, et pour peindre le sol et le sable, il a utilisé exactement le même truc que pour la falaise, c'est-à-dire d'abord une couleur foncée. Un marron foncé, couleur sable foncé, tout badigeonné, et par-dessus, plus légèrement, une couleur plus claire, la même couleur mais en plus clair, pour vraiment que ce soit naturel, parce que si vous avez une couleur unie, enfin c'est tout sauf naturel, ça fait toc. Kage の色っていうのは後で塗るものではなく、僕は全体を影の色で塗った後に明るい部分に明るい色を足していく形で作っています。 Donc vraiment, les creux qu'on voit, les creux noirs là, c'est pas du détail qu'il a fait après, en passant du foncé. C'est vraiment la première couche qui survit, qui voilà, lui s'est concentré juste pour éclaircir ce qui dépasse. En fait, c'est la même méthode que le brossage à sec qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui, on fait du foncé d'abord et ce qui dépasse, on l'éclaircit et tout seul, ça fait un contraste. これに鉄道模型のお店で売ってる草。 Voilà, donc là il a répandu un peu d'herbe sur son décor. C'est encore et toujours une matière première de modélisme ferroviaire. Vous avez des sachets avec une sorte de poudre qui fait un peu de l'herbe, enfin qui ressemble à de l'herbe quand on la répand. こういう岩の空を向いている太陽の日の光が当たる部分には草が生えていますので、そういうのを意識して草が生えそうな部分に草を植えていきます。 Donc là, en fait, comment il a placé ces touffes d'herbe là sur la falaise, c'est qu'il a visé les endroits où théoriquement le soleil passe. Alors ça, c'est un peu malin. En fait, voilà, à l'intérieur de la falaise, le soleil, la lumière du jour est pas censée très bien rentrer, mais par contre sur les arêtes. Sur les endroits, voilà, tout en haut, sur la crête et sur le petit sentier là, exposé au soleil, bah là, normalement, il y a des choses qui doivent pousser. Donc voilà, quand vous ne savez pas où placer ce genre de détails, de végétation, alors c'est pointu, voilà, réfléchissez si c'était en vrai, où est-ce que la lumière passe, etc., comment ça marche. On a un petit souci technique. Ah ben ça redémarre. Bon. こういうふうにして、先ほどの岩山を作っていますと、難しいことはやっていません。誰でも多分できることだと思います。 Voilà. Alors bon, pour finir, vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il vous a montré là, c'est super simple. Franchement, il espère vous avoir convaincu parce que, enfin voilà, on peut avoir des résultats assez chiadés avec des méthodes toutes simples, des matériaux tout simples et pas chers. 普通にプラモデルを作るだけでも多分楽しめると思うんですけど、
こういう簡単なことをちょっと加えることによって、全く違ったものになるので、皆さんも楽しんでほしいと思います。Donc si vous, comment dire, si ça vous plaît déjà de monter des maquettes comme ça, de construire des modèles réduits, il espère qu'avec ces petits tuyaux, ça vous apportera encore un nouveau moyen de profiter au maximum de, voilà, de vous éclater avec ces maquettes.砂を塗るときっていうのはパステル、パステルをナイフで削った粉を使ったり、あとエアブラシで塗装したりとかします。Alors, il n'a pas utilisé du vrai sable, c'est un peu plus technique. En fait, il a acheté des pastels qu'il a râpé, enfin réduit en poudre en grattant quoi, avec un cutter. Ça fait une espèce de poudre hétérogène qu'il a dispersé et par-dessus, il a passé une couche de peinture à l'aérographe pour fixer les choses. Voilà, et en fait, plutôt que d'avoir un rendu tout plat ou d'avoir une motte de sable qui ferait bizarre, voilà, on a quelque chose qui est entre les deux et qui fonctionne bien. Et donc, oui, et on serait tenté d'utiliser que du pastel, enfin de voilà, de râper des trucs entiers pour parsemer son décor pour faire du sable partout, mais les pastels c'est cher. Donc le conseil un peu récup qu'il donne, c'est disperser un peu de pastel par-ci par-là pour donner l'effet, et le reste vous le terminez à la peinture en jouant sur les contrastes, une couleur foncée de sable, une couleur claire de sable. Et à travers l'hétérogénéité, ça donne un résultat naturel et en plus c'est pas cher, enfin c'est moins cher. Alors, il a terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur ?私は自分で作って、その私の顧客に売ってるだけの小さな活動しかしていません。ただこれから先にもいろんなこういうイベントにも参加できたら参加していきたいとは思っています。 Voilà. Alors en fait lui, il a vraiment une toute petite affaire, hein, c'est un artisan, donc il travaille que pour les gens qui lui font des commandes. Et alors après, qui sait de quoi l'avenir sera fait, s'il expose plus, voilà, s'il y a plus de demandes, éventuellement, ça peut aboutir à ça. お時間が来ましたので、一旦終わりたいと思います。で、もしご質問があれば、終わってからでもお声かけていただければと思います。Voilà. Alors là, bon, on doit terminer, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir après, hein, il est dans le coin, encore. On peut terminer donc, en disant qu'on a parlé de maquette Gundam là, depuis tout à l'heure. Il se trouve que les maquettes Gundam reviennent en France. On a de la chance cette année. Et il y a le stand de Bandai qui est entre les deux halls où vous avez du One Piece, du Sailor Moon et compagnie. Bah, vous avez un coin Gundam qui vend des maquettes Gundam. Voilà. Ils ont quelques modèles, ils en auront plus par la suite. Je vous invite, une fois qu'on aura terminé, si ça vous intéresse, à venir chercher des cartes de visite de Monsieur Mannen. Il y a l'adresse de son blog. Alors c'est tout en japonais, mais il y a beaucoup d'images. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer dessus. Et enfin, est-ce qu'on peut prendre une photo ? Voilà, s'il y a des gens, si vous voulez une photo souvenir, eh ben restez un petit peu, voilà, juste à la fin on passera, puis si vous voulez on prendra une photo tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup d'être venu pour Monsieur Mannen.